Wretchedness is all I see. Come on, my friend, set me free. I can't stand to stay here anymore. Come on, my friend, please open the door. Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé un bon week-end. Ah bon, on est déjà mercredi. C'est clair que vous avez pu constater qu'il n'y avait pas eu d'épisode de Terre Valaisanne début de semaine. Alors la raison, hein, j'en rigole encore, mais je rigolais pas hier soir, surtout quand c'est arrivé. Donc je vous explique rapidement, nous on va aller juste au magasin, je vous dis juste ce que je fais, chercher la ramasseuse pour les balles. J'ai installé, parce que je suis en train de un peu modifier le PC, gaming, hein, le nouveau, j'ai installé un nouveau disque dur, quoi pas dur, SDD, hein, comme ça j'ai un peu plus de place, et je devais remettre le jeu, réinstaller le jeu justement sur ce disque. Donc tout allait bien, le disque fonctionnait, je l'ai alloué tout, nickel. Je me suis dit, bon ben il y a des programmes qu'on... Il y a des tutos sur comment transférer d'un SDD à un autre sans réinstaller le jeu ou le logiciel. Enfin bref, je me suis dit, vaut mieux peut-être installer, comme ça, t'auras pas de soucis, quoi. Donc on arrive au magasin, là. Juste couper le moteur. Je me suis dit, je vais désinstaller de l'autre SDD. Le jeu, hein, je l'ai fait, tout. Je commence l'installation, je me suis dit, on fait l'installation du jeu sur le nouveau disque, avec après le DLC et en plus la mise à jour 1.3. Tout allait bien. Je regardais mon écran, parce que ça prend un peu de temps, hein. Après ça dépend de la connexion. Moi ça met environ une 10-12 minutes pour faire télécharger le jeu. Puis j'étais en train de regarder mon écran et là ça m'a fait tilt. J'ai dit mais non. Mais quel couillon ce Valaisan. J'ai bien sûr oublié dans My Game de sauvegarder ma sauvegarde, mes fichiers où j'ai mes modes des séries comme la Val d'Airain, Terre Valaisanne hein, entre autres. Le multi des associés avec Jérémy et Ced, les deux Suisses, j'ai dit oh non, et c'était trop tard. J'ai dit bon ben voilà, quel couillon ce Valaisan. J'ai dit trop tard. Donc ça fait que j'ai dû réinstaller mes modes et on redébute. C'est pour ça que début de semaine vous n'avez pas eu Terre Valaisanne comme dit dans l'épisode de dimanche. Alors cette semaine, avant d'acheter normalement c'est ici, d'acheter le ramasseur. Donc il y aura les infos donc de la semaine, vu qu'on est même milieu de semaine déjà. Il n'y aura pas d'épisode de Val d'Airain de la série. Alors, vous inquiétez pas, elle va venir, mais j'ai dû réinstaller la map, bien sûr, vu que j'ai plus la sauvegarde. Il n'y a plus les bâtiments, les fermes, tout ça. Donc il faut que je rattrape ça. Et c'était plus facile pour moi de recommencer sur Terre Valaisanne, vu que les fermes sont déjà installées. Moi, je vais m'occuper de ça tout soudain pour vous préparer pour la semaine prochaine, Val d'Airain. Vous inquiétez pas. Alors comme vous pouvez le constater, 1 million, parce que j'ai pas tout racheté le matos que j'avais dans le dernier épisode. On va recommencer, on va faire ensemble. J'avais super bien fait toutes mes balles, j'avais moissonné, j'avais fait de la paille, j'ai dû tout recommencer. Enfin bref, petit souci, c'est pas un grave souci, c'est plus contraignant que la chose, parce que j'ai passé la soirée jusqu'à 2h30 ce matin, parce que j'ai dû tout réinstaller déjà, les touches du panel et tout. Voilà. Enfin bref, on va attaquer ça. Donc il y a deux, hein. Il y a celui-là et celui-là qui fait aussi les balles, 24 et 24. Donc je crois que celle-là, je ne sais pas la différence. Pourquoi il y en a deux qui est plus cher et celle-là, il faut 130 chevaux.
Alors, je découvre avec vous, hein. Alors, ça fait les bas carrés, ça fait les balles carrées. Mais il me semblait qu'il y en avait un qui faisait. Ouais, je sais pas. Alors, lequel on va prendre? Je sais pas. Celui-là. Je ne sais pas la différence entre les deux. Ça, c'est le pro. J'espère qu'il me met en dessus. Écoutez, on va configurer celui-là. Ouais, il est plus grand. Il est plus grand, hein. Si on regarde celui-là, on voit qu'il est. Oh, quoi qu'il ait la même longueur, mais il est différent. Il est différent au niveau ramassage, mais on va prendre l'autre. Alors, bien sûr, le DLC est sorti. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui. On va prendre avec les pneus Michelin. Il y en a beaucoup qui font des vidéos dessus déjà. Et nous, ben, on va découvrir ça. On fera du boudin dans le prochain épisode. Parce que maintenant, on va juste acheter ça et aller ramasser les balles. Voilà. Autour. Normalement, on doit être bon, on va allumer, il doit être là-bas, ouais, il est là-bas, c'est nickel. Donc voilà un peu mes soucis, comme je dis, hein, c'est plus contraignant. Alors c'est clair que, je peux vous dire, j'étais pas joyeux au début, après, bah, j'en ai rigolé. Et pourtant, je me suis dit, hein, j'ai dit, il faudra pas que j'oublie de mettre sur le bureau en attendant la sauvegarde et puis... Les dossiers mode, hein, comme vous pouvez le savoir, pour pas avoir de mélange de mode par série, je fais chaque fois un dossier différent. Comme ben, la série Valderin, c'est pas les mêmes modes. Il y a des vieux modes que j'utilise sur la partie série Terre Valaisanne, mais que j'utilise pas sur l'autre. Voilà, c'est pour pas être contraignant. Donc on est là, on va juste, je pense, déplier ça. Je pense qu'il faut la déplier, non? On va juste voir là, position de travail, ok. Voilà, normalement on est bon. Bon là c'est la pince. On va voir comment ça fonctionne, si ça va bien. En tout cas, j'aime bien. On va parler un peu de ce DLC. Hop. Il l'a pris, c'est tout bon. Alors c'est un peu lent, une belle animation, mais lent. ce DLC, moi j'aime bien, c'est surtout déjà les arcs-usins. C'est vrai qu'au tout début du 19, on n'avait que la petite usère là, Ursus, oui c'est ça. c'était vrai qu'on en mettait que 8, et c'était un peu quand on faisait des voyages, quand on avait beaucoup de balles comme ça. Bon, c'est clair qu'avec ce DLC, on verra si je refais du. Ah oui, il va la mettre dessus. C'est pas mal, hein. Belle animation. On va faire aussi peut-être du chargement, je sais pas. Peut-être plus dans la série Valderin que sur cette série. Parce que ici, ben, on a besoin de beaucoup de balles. Oh, je suis curieux de voir. Et pour parler des autres choses. Du DLC, par exemple les mélangeuses, alors c'est clair que elles font plus de contenance, mais finalement bah, j'aurais bien vu dans ce DLC une presse. Parce que c'est vrai qu'en ce moment je pensais qu'ils auraient mis une presse, mais non, on n'a que de l'enrubannage à faire les boudins. Alors les boudins on testera comme je le dis, là c'est de l'herbe. C'est de l'herbe. Par contre, je suis en train de regarder un truc. Il marque juste balle ronde, d'accord. On va aller chercher celle qui est tout là-haut. Par contre, le chargement, ouais, c'est pas mal. Après, je crois que ça pousse en arrière pour décharger. Alors là, il y a de l'herbe. J'ai pas encore remis les textures, changé les textures des balles. Peut-être que je le ferai, mais bon. Avant tout, maintenant, c'est de recommencer. Parce que c'est vrai qu'on la différence. On va juste aller voir. Est-ce qu'on voit une différence? Ouais, là elle est plus claire, là elle est plus foncée. Voilà. Allez, on va continuer à ramasser ces babales. On ira les mettre à la ferme pour les préparer. Alors je vais pas les mettre à la. Quoi, je peux les mettre à l'abri à la limite. Et puis je les reprendrai. Il faut encore que je teste si tout ce qui est télescopique fonctionne, que j'ai bien réglé. Parce que c'est assez compliqué. Au niveau du panel pour avec le joystick, on verra ça plus tard. Je testerai de mon côté avant de faire le prochain épisode. Donc pour fin de semaine, bah, il y aura un autre épisode de celui-là. On ira sûrement
sûrement faire du moissonnage, il me faut faire de la paille. Alors pour la paille, je ferai des rectangulaires, je vais investir, ma foi, tant pis, hein. Comme je dis, je dois tout recommencer. Donc j'ai triché, oui, au niveau de l'argent, mais je suis obligé parce que je voulais pas tout recommencer à zéro en étant limité. Alors, il y a encore celle-là. Normalement, après, c'est que du foin. J'arrive un peu vite. Alors, est-ce qu'il y en a encore? Je vais peut-être juste remonter pour voir si on a encore un peu des balles. Il y a juste celle-là encore. Là. Hop. Alors, j'en referai parce qu'il n'y en a pas des tonnes. Hein. Hop. Voilà, on fera peut-être deux boudins. Hop, voilà. Ah ouais, l'animation, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'animation est pas mal. Alors, est-ce que t'es une balle d'herbe, toi? Je sais pas. Faut que j'aille voir de plus près. J'ai pas les lunettes, mais il me semble que ceux-là, c'est encore de l'herbe, bien. Est-ce que tu me dis si je la prends? Pourquoi je peux plus les prendre? Avant, je pourrais les prendre. Peut-être se mettre au soleil, mais ça doit être du foin, tout ça. Ça doit être du foin. Ah. Alors, il m'indique pas combien c'est. Vous voyez que là, c'est un champ d'herbe. Alors, moi, j'ai fauché plus loin, mais. Donc, ça, c'est du foin. On verra bien. On verra bien. On va replier ça. Est-ce que ça, c'est du foin ou de l'herbe? C'est vrai que c'est toujours un peu gênant quand on voit pas vraiment ce que c'est. Et puis quand on les prend, ben, ils nous disent pas, mais ça doit être du foin. Je vais juste aller voir celle-là là-haut. Normalement, ça doit être aussi du foin. Bon, j'ai pas remis le speed player. Comme je dis, hein, j'ai dû tout remettre les modes. Ah, peut-être ça. On dirait que c'est du foin. Non, c'est du foin aussi. Ok. On va directement aller à la ferme, voir comment ça se décharge. Pardon, je m'étouffe. On va se mettre en vue intérieure, on va mettre les gyros. Alors, toujours une belle map, hein, celle-là. Même qu'elle a été vachement transformée. Hein, mais je l'aime bien. Ici, j'ai le champ de patates. On fera de la patate. Et comme j'ai dit, on fera des oignons, des carottes. Alors, bien sûr, il faut que je replante tout ça parce que j'avais tout fait. Hein. C'est comme j'avais préparé en vue du DLC du peuplier. Parce que je suis curieux de voir qu'est-ce qu'on va en faire de ces balles. Si on doit les vendre, on peut les vendre ou on les utilise aussi pour les animaux. Je ne sais pas. Si quelqu'un sait déjà, bah, dites-le-moi dans les commentaires. Nous, on va les décharger ça. Je vais quand même les mettre à l'abri. Hein, parce qu'ici, vers les vaches, alors j'ai remis mon drapeau, j'ai remis tout. Il y a un abonné, excuse-moi, j'ai oublié ton pseudo, mais tu m'as bien aidé, tu m'as dit pour l'eau. Et en plus de ça, tu m'as dit un truc, on ira voir ça dans le prochain épisode, où on peut ranger les balles avec l'ascenseur. Alors, on va se remettre peut-être en vue extérieure. Et on va voir comment ça se décharge ça. Bon, je vais pas peut-être coller trop vers le mur parce que je sais pas si le machin descend comme les autres à cousins. Je vais juste remettre ça. Décharger les balles, ok. C'est bien ce que je pensais, vous voyez. Alors, on va juste avancer pour pas qu'il embête. Tac. Ah, c'est pas mal, hein. On va juste descendre pour aller voir ça. C'est pas mal, hein. Comme ça fait, ça, ouais, ça change un peu. On va décharger. Ça va pousser les balles, je pense. Ah ouais, c'est vachement bien fait, quoi. Juste descendre pour aller voir ça, les amis. Regardez ça. C'est nickel, hein? C'est vrai que ça fait pas en hauteur. Alors, par contre, ça bouge de chez bouger. Voilà. Allez, on va replier ça. Les balles, ça sera pour les boudins qu'on verra dans la prochaine fois. On va voir s'il remonte rapidement le bras. Est-ce que tu remontes rapidement? Ah, il est quand même lent à se plier. Hein. Voilà, hop, ça va plier. Bah écoutez les amis, on va aller ramasser
ce qui reste là-bas. Et après, ben voilà, petit épisode, pas très long, j'ai pas montré beaucoup de choses au niveau du DLC, mais dans le prochain épisode, pour compenser le manque d'épisodes, je pense qu'il y en aura un aussi jeudi, demain et vendredi. Si j'ai le temps d'avancer, on verra. Je vous promets rien, mais on verra tout ça. Demain, normalement demain, mais vendredi j'ai les cours, donc ça sera un peu plus compliqué pour moi, et surtout qu'il faut avancer. Donc le prochain épisode, on fera, je commencerai de la moisson, ou peut-être les patates, tiens, changer un peu que de faire toujours de la moisson, ce qu'on voit. On va arrêter ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Vous voyez que il faut que je me réhabitue à nouveau avec les touches. On va se mettre en position de travail. Donc ça a changé mes touches. J'ai profité, je devais le faire normalement. Changer des touches qui n'est pas important, qu'on peut faire au clavier. Libérer des touches sur le panel. Comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas mal, hein, là. On va se mettre comme ça là. Hop. On va peut-être prendre une petite photo. Hop. Voilà. Ça c'est pas mal, ça c'est fait. Ouais, alors j'aime bien Star Cuisin. À voir, on testera bien sûr l'arcusin ou les batteries triangulaires quand on fera de la paille. Par contre, c'est un peu lent, mais la 3D est propre, ça c'est clair. Et l'animation est vraiment super, moi j'aime bien. Donc là-bas, il n'y a pas. On va aller là-bas chercher celle-là. On va remplir. J'ai le son qui me casse les oreilles dans la tête. Voilà. Je pense aussi, j'attends là, normalement, aujourd'hui, pour être encore plus puissant, 2 barrettes de RAM. Normalement, le postier doit me livrer ça aujourd'hui. Peut-être que par la suite, au lieu d'avoir le micro sur le casque, j'ai bien envie de m'initier avec ces micros à bras, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Dites-le-moi dans les commentaires ce qui est le meilleur, ou bien je demanderai à Jérémy. Ou à mon ami Ced aussi, que je sais qu'ils en ont un. Et c'est vrai que c'est peut-être plus pratique. Alors, j'espère que le son, bah, j'ai dû nous tout régler. Le son du jeu n'est pas trop fort. Et que vous m'entendez bien. Voilà, les amis. Bah écoutez, les amis, j'arrive vite comme un sauvage. Ah! Faut que je lui mette un poids. Il faut que je lui mette une masse devant. Oups, on va prendre celle-là. Voilà. Bon, on en met quand même pas mal, hein, 24 sur cette remorque. Alors ça, on mettra à l'abri pour faire les mélanges. On achètera ensemble. Je me suis dit, ben, finalement, avec mes malheurs de mode, tout ça, de recommencer la partie, eh ben, ça donnera l'occasion de faire ensemble, d'acheter, au lieu d'acheter tout au début le matos qu'il me fallait. On achètera ensemble à chaque fois qu'on en a besoin. Et comme ça, ben voilà. Ça me fait plaisir de faire ça avec vous. On va prendre. J'arriverai pas à celle-là. Ah, il n'y a pas un bon rayon de braquage avec l'arcusin au cul. Voilà. Donc, petit épisode. N'hésitez pas de mettre le pouce bleu, vos commentaires. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ben, grand chose, hein. J'ai beaucoup parlé pendant cet épisode, on n'a pas fait grand chose, mais bon, ben voilà, ben, quand on doit tout recommencer, ben, c'est ça le souci. C'était plus casse-couille que autre chose. Je suis un peu fatigué parce que à tout penser, de rechercher mes mods. Heureusement que sur mon autre PC, ben, j'avais les mods parce que ma compagne, ma femme joue aussi à Farming, bien sûr. Donc elle avait la partie, surtout la map. Mais bien sûr, j'ai pas pu prendre sa sauvegarde à elle parce qu'elle n'avait pas les bâtiments. Elle préfère mettre des autres bâtiments, de faire sa ferme comme elle veut. Donc, mais au moins j'ai récupéré la map que j'avais tout modifié, modelé pour placer les bâtiments. Heureusement ça, et une partie des mods. Alors peut-être qu'il y aura des mods que je devrais re-télécharger, ou je sais pas, on verra. Peut-être faire ça à regarder. Normalement, je n'ai plus de balles, on a tout fait le champ. Alors j'avais envie
Ben, l'épisode que vous auriez dû avoir au début de semaine, ben, c'était de comprendre les vaches, les amis. Mais là, il faut attendre. Il me reste encore la paille à faire. Donc, je le ferai de mon côté. Et on va mettre ça. On va se mettre en vie intérieure pour finir l'épisode. Donc, je ferai de mon côté et on prendra. On fera les boudins et on peut-être si on a le temps on prendra les vaches déjà au moins celles que je veux faire l'élevage de pour la viande et bah, on leur donnera à manger et tout. Il faut encore que j'achète encore certains trucs comme la cuve à eau tester parce que je pensais vu que c'est la map Felsbrunn qu'il y a le petit étang, il y a la route mais j'arrivais pas à prendre l'eau alors je sais pas si c'est bon. On verra tout ça les amis. Bah écoutez, moi je vais vous dire de passer une bonne journée. Pensez au pouce bleu. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai oublié ça au début de la vidéo. J'étais tellement pris dans ma bêtise que j'ai fait. Et on se retrouve ben, dans la... prochainement, jeudi ou vendredi, je sais pas encore. Voilà les amis. Allez, moi je vais vous dire tout de bon, comment on dit chez moi. Hein, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.